các bạn đang xem video tại kênh Ampolyroy. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. Musique triste J'avais peur que tu viennes pas. Ça va? T'es payé pour être là? Ok. Je comptais te le dire. Tout ça, c'est vrai? Donc, tout est faux. L'aquarium. Roger la grenouille. Le canapé de mon père. Jules soupire. Bobby la pointe. Elsa. T'as dû bien te marrer. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je t'aurais perdu. J'ai été pris de court. Que voulais-tu que je fasse? Ça change rien, tu m'as perdu. Remarque. J'ai dû te faciliter la tâche. Quelle grosse conne. J'avais tellement peur de pas te plaire que j'ai pas osé poser de questions. Mais quelle grosse conne. Je suis sincère. La musique triste reprend. Elsa. Je suis amoureux de toi. La porte s'ouvre. La porte se ferme musique du générique battement fort c'est moi que tu saoules là oui bah c'est bon on peut faire du bruit maintenant cri la ratée est à la bourre pour son job de merde les battements reprennent c'est quoi ça j'ai pas réussi à dormir du coup j'ai bossé toute la nuit Enfin, bosser. J'ai encore une idée à la con. Pinkars. Uber par les meufs pour les meufs. Matt. Pinkars. Tu vois, tu trouves ça naze, toi aussi. Attends que je sois parti pour te foutre de ma gueule. On frappe à la porte. Cadeau. Charlotterie. Si t'arrêtes avec tes talons. Ça me rend faux. Oui, bon, ok. Cri. Merci, Antoine, pour les Ouitabix. Musicard de rock à fond. Antoine. Milou, putain. Charlotte. Hop. Cri. Bisous, mon frère. C'est l'enfer. Elle me fatigue. Le death metal devient plus fort. Silence. Milou. Ah, c'est toi? Non, c'est Catherine Deneuve. Antoine. Tu vas où, là? Je vais vraiment au yoga. C'est pour te dire à quel point je fais n'importe quoi. Comme ça, on est tous les deux largués. Je sais. C'est ce que t'as dit à Manon dans tes messages. Antoine soupire. Ok, je l'ai un peu cherché. Mais on aurait pu en parler, de tout ça. Antoine. De Jules. Antoine. Du chantier, du yoga. Et de Manon. Mais on s'en fout de Manon, franchement. T'as plus confiance en moi Non. C'est en moi que j'ai plus confiance. Je pensais que je pouvais tout gérer, mais non. Je me sens tellement nul. Doucement. Viens. Écoute-moi. Moi, la Émilie que j'aime. C'est une femme forte. C'est une architecte bourrée de talent. C'est celle qui me rend fière d'être le père de son enfant. C'est pas cet émilier-là complètement égoïste qui pense qu'à sa gueule. Celle qui ment et détruit tout. Milou soupire. Je vais faire attention. Antoine. Merci. Pas qui s'éloigne. Bon, je fait le tapin. Et alors Pardon Chantal soupire. Un rencard. L'un des deux paye l'addition. Prostitution. En boîte, mec ou meuf. Se faire payer un verre? Prostitution. Au boulot. Se taper son boss. Prostitution. T'es bordeur. Ouais? Bon alors, mauvais exemple. T'exagères un peu. J'exagère un peu, mais relativise. Soupir. Mais je suis minable. Ah ouais, tu relativises bien, là. Non, mais comment je fais, moi, pour sortir de cette spirale de la lose 1. Hein? Non, mais Chantal, je. Faut que ça s'arrête, faut que ça change, faut. Chantal soupire. On frappe. Manquez plus que pénage. Milou. Elsa, faut qu'on se parle. Tout bas. Oh, non. Où je parle et tu dis rien, si tu veux. Je suis en congé mat, j'ai le temps. Milou. S'il te plaît. Bah. Non. Dis-lui que je veux pas. Deux minutes, ils veulent pas me laisser rentrer. Tu me manques. Milou. Je t'en supplie, reviens. Je sais, j'ai merdé. Elsa. Oui, mais. Là, elle t'entend plus. Chantal. Désolé. Sirène. Manon Rie. Que est-ce qu'il y a? Mehdi m'a dit que tu lui avais appris à dessiner des fusées. Ben ouais. Il galérait un peu, alors je lui ai montré. Ah ouais. On va changer de méthode. Voilà. Ça rassura ses parents. Je suis désolé. Pour Émilie. Je sais qu'elle est venue. Elle a lu nos textos, je voulais pas. Non, mais c'est pas grave. Tu lui as dit quelque chose Tu lui as dit que... La vérité. Donc, eux. Rien. Enfin, assez pour pas lui donner envie de revenir. Elle est touchante ta femme. Antoine. MMM. Dégustation de glace gratuite. Dégustation de glace. Allez, dégustation. Putain de merde. Charlotte. Putain. Ça va? Tu t'en sors? T'es venu jusqu'ici pour te foutre de ma gueule? Pinkars. Ah oui, ça. J'y ai pensé toute la journée. C'est une putain de bonne idée. C'est ça, ouais, bien sûr. Je suis sérieux. Madame, dégustation. Non, merci. J'en au régime. Et eh. je vais t'aider. À quoi? À vendre des glaces chelou? Mais non. Tu trouves ça vraiment bien? T'es motivé pour bosser sur le projet ou pas? Ouais, je sais pas. Soupir. Non, laisse tomber. Monsieur? Dégustation de glace, rose piment. Tu vois, je suis nul. Non, t'es motivé. T'es direct, t'es cash, c'est super, ça. Dire non, merci, ça t'arracherait le cul? Là, t'es un peu trop cash. Mais c'est pas grave, on va taffer. Tu dis pas ça pour me faire plaisir? Pour faire genre couple? Je te jure, t'es relou avec ça, c'est insupportable. Charlotterie. Charlotterie. Bien, le chapeau. C'est sympa, ça. Arrête. Musique électronique jazzy. Jules. Jules Dupont. Roman. Lui-même. Bon. Eh bien, entrez. Max. Eben, passe-la-moi. Max. Et Ben. Oui. Crie. Du coup, je fais quoi, moi Et Ben, passe-la moi, comme ça, elle me le dit directement. Karine. Max soupire. Ça va Je suis désolé pour Jules, ce qui s'est passé avec les filles. Ben non, sois pas désolé. Y est pour rien. T'es le seul à pas être un connard. Elsa s'éclaircit si la voix. J'ai vu que Milou est passé. J'ai cru la voir. Elle est repartie. Karine, c'est pas la sœur de Gaïa Pas qui approche. Elle a annulé le mariage. Ah ouais. Ah mince, je. Du coup, c'est moi qui suis désolée. Pourquoi E. Euh. Trop de doutes. Elle est peut-être moins qu'on qu'elle en a l'air, la Gaïa. Elsa s'éclaircit si la voix. C'est bon, t'as ton café MMM. Sucrète. Et tu fais quoi, ce soir Elsa. E, euh, rien. Rien, rien, rien. Elsa. J'ai envie de rien. MMM. Tu voudrais pas. Touillette. Et donc, tu touilles ici? Je sais pas si j'ai envie de lait. T'as pas envie de parler à un ami? Moi, ça me ferait du bien. S'il te plaît. OK. Cool. Et Ben, je... Max. Je passe te prendre. Ouais. Elle s'éclaircit la voix. Ça marche. Pas qui s'éloigne. Chantal soupire. Elsa. Ben quoi Ça va, c'est un pote maintenant. MMM. Elsa. Ouais. Portable qui BIPE et vibre. Tu vas où Je vais vendre mes costards et le scooter. Pour le loyer. Faut que je te dise quelque chose. Jules. Je t'écoute. Roman. C'est à propos d'Elsa. Max. Euh. Elsa rit. La dernière crise, c'était après ton anniversaire. Ah oui? Ouais. Elle a pensé qu'entre toi et moi, il y avait encore un truc. Petit rire de Max. C'est con, hein. Ah ouais, c'est. C'est con. MMM. En plus, après, je lui ai dit que je t'avais jamais trouvé si belle. Ah oui, c'est très, très con, ça. Mais. Merci. Musique jazz douce en fond. Elsa? MMM? Je serai toujours là pour toi. Tu le sais, ça? Bra. Pardon. Elsa. Excuse-moi. C'est pas grave. Je m'appelle Julio Saldena. Jules Je suis né le 29 septembre 1987. J'ai 31 ans. 1,83 mètres 80 kg. Balance. Ascendant balance. Je suis pute, escorte, gigolo. J'ai fait ça pour aider ma mère et puis, Ben, j'ai continué. 160 euros de l'heure, 2 heures par jour en moyenne depuis 4 ans. Soit 573 clientes entre 23 et 72 ans. On se casse. J'ai ma mère et mon colloque à charge même si c'est pas des charges. Je paie les dettes de mon père. Ce qui va pas s'arranger parce que j'ai tout arrêté. J'ai pas de diplôme, encore moins d'expérience. Ma mère, dans trois mois, elle est à la rue. Max. Allez, arrête. Attends. Je maîtrise tout. Je prévois tout, je cloisonne tout. Sauf Madame Por. Il y a 43 jours. Elle mange comme un ogre, rit comme un viking, parle aux poissons. Elle me fait complètement flipper. Rire. Merci. Oui, mais voilà. Avec un sourire, elle me donne envie de remettre les compteurs à zéro. Si mon père était vivant, je lui dirais que j'ai rencontré mon rêve. Je me suis perdu. Mais grâce à toi, tu vois. J'ai envie de croire en ce que je peux faire. Tout recommencer. On peut recommencer. Soupir. Bonne chance, Julio Saldena. Elsa. J'espère que ça marchera. On y va. Elsa. Attends. T'as besoin de réfléchir, je comprends. Mais je t'attendrai. Elsa. On n'est pas dans une comédie romantique. Tu sais quoi? Jeudi prochain. Jeudi prochain, dans une semaine. Je t'attends là. Jusqu'à la fermeture, à 20h. Jusqu'à la fermeture du bar. Si tu viens pas, je disparais. Jeudi prochain. Tempo rythmique. L'escalier de The Pirouette. Chantal. Salut, ma biche. La chanson électropop continue. La chanson électropop continue. Allô? Discussion indistincte. La chanson électropop continue. La chanson électropop continue. La chanson se termine. Son portable vibre. Donc, là, le gars, il t'attend. MMM. Et toi, tu l'as planté? Oui. Lui est. Et tous les autres? Quoi? Je vais partir, Anaïs. Loin. Je vais faire comme toi. Fais pas ça, ma boulette. Arrête avec ma boulette. Ok. Anaïs soupire. Croise-moi, partir réglera pas tes problèmes. Je sais, mais j'ai. J'ai envie de me créer mes problèmes. J'en ai marre que les gens décident pour moi. Je. Je vais jette. Hein? Doucement. Oh Je suis une seule. Une seule? Oui, tu sais, le poisson qui se cache au fond de l'eau, comme ça. Moi, c'est la même chose, je me cache. Je me planque derrière papa, derrière maman. Au boulot, derrière Maxime, je. Je suis une planquée. Je suis une planquée, je. Elsa soupire profondément. Eh ben, dis donc. On dirait qu'il fallait que ça sorte, ça. Viens là. Anaïs. Mon amour. Merci d'être venu me voir cette fois-ci. Ça me fait du bien. Moi aussi. Soupir. Bon, tu sais quoi Ouais. Vas-y. Ah non va lui demander sa version à lui, Elsa. S'il veut te revoir, c'est qu'il y a forcément un truc. À part tous tes trucs, là. Arrête. Non. Bon, retourne chez Papou. Écoute Juliette Armanet, chiale un bon coup et vas-y. Non. T'as rien à perdre, putain. Oh là là. Merde. Tu vas rater ton avion. Faut qu'on y aille. Elsa. Remix de Takati T'akité. Le remix continue. Porte qui s'ouvre. Fin de la musique. Salut. Max. Ok. Elsa viendra pas. Elle veut t'oublier. Que est-ce que t'en sais Tu lâcheras pas, hein Non. C'est qu'on parce que j'avais préparé de l'argent. Histoire que tu vois un peu venir. Et pour que tu disparaisses de sa vie. T'aurais pas accepté, je me trompe Non. Et ta mère Elle accepterait un appartement de la mairie Un loyer plafonné. Un truc bien situé. Tu joues à quoi, là? C'est ta crise de la trentaine? T'es sur le point de te marier, t'acceptes pas que ton ex fréquente un autre mec? C'est quoi, ça? Les mecs comme toi, je les connais. Tu sais pourquoi? Leur meuf se paie mes services. T'as peut-être raison. Je suis peut-être un gros con. Mais Elsa, ça fait 13 ans que je la connais. Et je la connais par cœur. Et toi, t'es en train de la faire souffrir comme un chien. Moi aussi, je lui en ai fait baver, mais toi. Putain. Toi, tu détruis tout. Max. Sa confiance en elle, ses repères. T'as même réussi à la séparer de ses meilleurs potes, ses sœurs. Et c'est pas près de s'arranger. Je comprends pas ce que tu veux. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Elsa, tu l'aimes pas. Tu veux la posséder. Mais la Elsa que tu connais, elle a changé. Et ce que t'acceptes pas, c'est qu'elle est mieux sans toi. Petit rire de Max. Et toi, tu lui proposes quoi hein À part tapiner, tu sais rien faire. Même tes proches, t'arrives pas à les rendre heureux. Et t'as envie d'amener Elsa dans cette vie de merde Porte qui se ferme. J'y suis vraiment allé. C'est fou, non J'ai fait un cours de yoga. Enfin, bon, t'emballes pas. Je me suis rarement autant fait chier. Et puis, tu verrais les autres élèves. Avec leur petit cul de nympho bouddhiste. MMM. Enfin, bon. Il paraît que je fais pas trop mal le papillon et la foudre, alors... Je fais un effort. MMM. C'est un bon début pour changer, non Faudra le dire à ton papa, hein. Petit gémissement. Soupir. Mat. Donc, en fait, ta menace. Opportunité. Charlotte. MMMM. Force. Faiblesse. C'est un peu bidon, mais c'est la base. T'es un peu obligé. Ouais, ben, merci. Ben, de rien. Tu plaisantes, ou quoi? Ben, non, mais. C'est vrai, moi, les grandes études. Les voyages, eux. Eux. Le taf, enfin. Je suis pas là-dedans, moi. Mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est deux ans d'école de commerce, trois bouquins marketing. C'est rien, c'est nul. Le talent que t'as, ça n'a pas de prix. PFF, ouais. Mat. Tu vends des glaces à n'importe qui. Tu défonces tous les tafs que tu fais. T'as la tchatch, t'es lumineuse. On a envie de t'écouter, de te suivre. Mat. Ça a pas de prix, ça. C'est ça, le talent. Ça s'apprend pas, ça. Alors, tes menaces, ça pourrait être quoi? Uber. Éventuellement. Mat. Taxi G7. Mat. Les forces. Les forces, c'est quoi? Les forces? Ben, mon concept. Ton concept. Pinkars. Elsa se mouche bruyamment. Portable qui vibre. Tiens. Merci, Papou. Retour à la case départ. Ça va s'arranger. Elle pensait bien faire. Papa. Et si c'était un mec bien Pourquoi tu me parles de lui Parce que ça fait une semaine que tu tournes en rond. Il n'y a que Jules qui peut répondre à tes questions. Donc, si j'étais toi, j'irais le voir. Chanson triste. La chanson triste continue. Elle inspire profondément. La chanson triste continue fondu enchaîné sur la musique du générique.